Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Super Smash Bros Ultimate sur la Nintendo Switch. Voilà, un petit rappel des faits, on a fini le boss de la première map. Et oui, parce qu'en fait, il y a une deuxième map. Donc je vous remets un petit peu la cinématique de ce nouveau monde des ténèbres. Alors, petit setup improvisé, hein. Vous avez pris l'habitude. Je me suis fait virer de la gaming room par le roi Tan et le Marix. Donc on va se faire ça en mode tranquille ou dimanche, tranquille. Et donc voici la nouvelle map qui apparaît à nous. Alors je sais pas pourquoi il me l'a remise. Tiens d'ailleurs, on voit des... Je sais pas si vous avez vu à gauche là, il y a plein de bonhommes qu'on n'a pas fait encore. Ça c'est l'ancienne map. Je sais pas si on pourra revenir. Je pense que oui. Et voilà, ça découvre la contrée des ténèbres. Et c'est cette contrée des ténèbres que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, par où on va? Je propose qu'on aille à droite. Je propose qu'on aille à droite. Ah, en fait, on peut revenir dans votre monde, je pense, en descendant. Et donc, on va se taper Gomorrah. D'accord, on est sur du gros dégueulasse monstre. Bayonetta. Ouh, elle a pris cher. Ne reviens pas, c'est pas obligé. Allez. Première victoire. Contre Bayonetta et on récupère ce truc. Ce truc immonde. J'avoue que c'est... Le mec sur le monstre, il s'est lâché. Hein. Allez, on dessine du monstre, on met du truc bien dégueulasse. Alors du coup, voilà. Oh, putain, je crois pas qu'on redécouvre une nouvelle map, quoi. Oh ah, Ok. Bon, par contre, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Ah, mais il y a encore des... Oh, mais il y a encore des magasins et tout. C'est oufissime. Gravité élevée. Est-ce qu'on met un truc? Non, bon, on va le faire comme ça. On est en train de découvrir une nouvelle map, les amis. Ça me... Samus sombre. Ah ouais, c'est vraiment des trucs dégueulasses. Il est où? Allez, viens. Allez, viens. Oh. Hop là. Allez. Ah oh. Eh, il est un peu relou lui. Il est où là? Allez, redescends là. Ok. Oh. Allez, si je lui remets un coup là. Allez, il est quasi mort là. Allez, c'est bon. Alors désolé pour la luminosité un peu bizarre. Alors c'est un magasin, tout ce qui est le plus banal. Ok. D'ailleurs, je viens de voir que dans mon menu, on a pas mal d'activités. Alors ça, c'est activité. J'en profite pour vous montrer la salle de sport, vite fait. La salle de sport, ça vous permet de maxer vos bonhommes, en fait, tout simplement. Voilà, ça maxe tout seul. Donc moi, ce que je fais, je mets toujours des niveaux. Hein. Voilà, hop, j'évite de mettre le niveau parce que souvent, c'est des doublons. J'en mets un de chaque couleur, comme il y a 4 couleurs. Donc on a mis du rouge, on va mettre lui, je pense que je l'ai déjà. Je mets pas les nouveaux en fait.
Nouveau, je les sens pas. D'ailleurs, il faudra que j'aille faire le ménage. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de doublons là-dedans. Vous voyez, on en voit là. Niv 1. Bon, allez, on le met celui-là. Mais j'ai l'impression d'avoir des amis, vous voyez. Ça. Avant qu'on l'ait gagné l'autre fois. On va mettre du gris un petit peu. Alors, elle, je sais que ça sert à rien que je la mette. Vous voyez, j'ai du doublon. Il faut que je fasse le ménage. Alors, on sort. Et on les laisse faire. Et ils vont monter comme ça à 99 tout seul. Donc, la salle de sport, très intéressant. L'expédition ruine, pas ouf. Pas ouf. Alors, vous pouvez mettre 4 personnages à chaque fois. Ah, on a un ralentisseur. D'habitude, on a que des PE. J'avoue qu'un petit ralentisseur, c'est sympa. Donc là, je mets des personnages qui ont déjà commencé à évoluer un petit peu. Vous voyez, là, 32. Parce qu'ils prennent un petit peu d'XP quand même dans toutes ces explorations. Donc cette exploration ruine, c'est toutes les 2 heures. Alors si vous voulez toutes les 2 heures, vous y pensez. Vous pouvez aller lancer une nouvelle expédition et récupérer des PE. Bon, c'est souvent des PE. Hein. Là, c'est la première fois, je crois, que je vois un objet bleu. C'est ceux que je recherche le plus, d'ailleurs. Ensuite, vous avez l'expédition grotte qui dure 6 heures. Alors, c'est là où on trouve des super objets, vous allez voir. C'est vraiment la plus intéressante, je trouve, en termes d'objets. Vous voyez, on a du bleu, du rouge. Enfin, on a vraiment des objets très, très intéressants pour le combat des esprits. Donc, on va mettre lui... On va mettre un petit peu de bleu, on va mettre lui. Un petit peu de vert. On va mettre le 31. Et on va mettre un petit peu de gris. Le 41. Voilà. Et on lance l'expédition. C'est parti pour 6 heures. Et la dernière que j'ai, je sais pas s'il y en a d'autres. Pour l'instant, c'est les seules que j'ai découvertes. C'est l'expédition forêt. Alors celle-là, elle dure 10 heures. Donc c'est un peu plus long. Tac. Alors. On va en mettre 4. Tac, paf. Du bleu. Il y a un niveau 30 là. Voilà. Du vert. Qu'est-ce qu'on a? On a un niveau 30 là. On va mettre celui-là. Et... un petit gris. Tiens, on va mettre Rayman. Voilà, c'est parti. Donc voilà nos expéditions. Donc pensez à le faire. Moi j'essaie de le faire assez régulièrement, genre 2-3 fois par jour. C'est vraiment intéressant pour les objets. Pour les objets, c'est le top. Ok, donc arbre des talents, on va aller voir où est-ce qu'on en est. On a que... ah, on a 98. On est pas mal, écoutez. Est-ce qu'on n'y pourrait pas se mettre bien par ici? Voilà. Et là, il nous faut 100. On y reste bien par là. Ok. Ah, on peut continuer. Ouh, on a pris du talent là. Ok. On s'est fait plaisir. Bon, allez, on est reparti sur cette aventure. On va remonter par là. Ok. Est-ce qu'il faut qu'on se tape la main? Ah, faut qu'on se la tape. Bon, on s'est tapé il n'y a pas longtemps dans l'autre niveau. Bon, voilà, il faut qu'on se la retape visiblement. Allez. Viens te battre. Lâche-moi. Ah, j'aime pas quand il fait ça. Ah, on l'a eu là. Ok, on va lui mettre des petits smash. Qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, viens par là. On lui a fait mal là. Non, c'est lui qui nous fait mal.
Ouais, c'est bon ça. Allez, on le finit. Allez. Ouais, c'est bon. Je croyais qu'il allait repartir. Bon, il nous a pris 55%. Par contre, ça, c'est un peu relou qu'on l'ait déjà, alors qu'on vient de la passer dans l'autre monde. Ou on va prendre la sphère, par contre. Alors, du coup, ça a fait quoi? D'accord. Bah, écoute, je veux bien, moi. Ah, j'ai vu quelque chose par là. Ah, mais attendez, on est en train de refaire toute la carte, là. J'hallucine. Je croyais que j'avais fini le jeu. Et en fait, pas du tout. On a fait que la moitié, j'ai l'impression. C'est ouf. Au bout de 100 vidéos, Gwenju a terminé. Super, pas joie. Ah oh bah moi je... Ah c'est ce niveau de merde donc il faut pas tomber. Allez viens. Moi j'ai tout mon temps. Sérieux là? Tiens! Il a pris! Il a pris la flèche! Ouais! Craco! D'accord! Craco! Ok! On est vraiment en train de redécouvrir la map. Elle a l'air moins grande quand même. Elle a l'air moins grande, il y a l'air d'avoir moins de bonhommes. D'accord, donc il nous touche, on est mort quoi en fait. On commence avec 300 de dégâts. Sympa. Et eux ils sont invincibles. D'accord. Eh ouais. Oh, ça c'est niveau pourri ça. Ça sent le gros niveau pourri ça. Ouais, on est prêt mais. Ouf. En fait, faut pas leur laisser le temps de vous toucher parce que sinon vous mourrez tout de suite. Allez, Will Gunman, ça rentre dans le dans la collecte. Ok. Un petit coffre. Ok, super. Ouh, un vétéran. Un vétéran, alors là, c'est du costaud, on commence à rentrer dans le dur. Oh! Pourquoi il a couru? Allez, ça c'est bon. Non! Allez! Ah! Ah, j'ai été moins rapide que lui. Allez, dégage. Ah, je le rate. Allez, ça c'est bon. Ah. Ouf. Ah, je le rate deux fois. Allez, ça c'est bon. On va peut-être penser à mourir à 112. Allez. Ouais, quand même.
Bon, bon, on l'a passé. Mais du coup, je sais pas ce que ça nous donne. Parce qu'il n'y a rien par là. Ok, il n'y a rien par là. Ici. On a fini tout ce côté, là. Ok. Je peux pas descendre, là. Non, je peux pas descendre. Hein. Ah, pas peut-être par là. Non, mais non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Bon, écoutez, on va remonter par là. On va remonter par là. On va aller voir par les autres échelles, là. La taille de l'adversaire augmente. Ouf. Aïe. Aïe. Allez, dégage. Voilà. Alors, la carte qui se dévoile un peu. Pourtant, j'ai l'impression qu'on peut descendre par là-bas, là. J'ai pas réussi à descendre. Je pense qu'il faudra qu'on y retourne. Allez, avec du rouge, on va être tenté. C'est pas le plus fort. Bah écoute, si tu le prends comme ça, moi... Ah, je suis trop court. Allez, une dernière. Encore une. Voilà. Ce que je voulais faire, mais je l'ai raté mon coup. Je voulais taper en l'air. Bon, il était pas bon, ce Lucario, hein. Je propose qu'on continue par là. On commande par là. Ouais, on va aller par là, tiens. Et il y a que des vétérans là, ça se complique, hein. C'est plus dur quand même. Il y a pas, il y a moins de niveau 1, niveau 2 comme on avait sur l'autre monde. Là, vétéran, vétéran, vétéran. Vous avez vu là, les deux chemins, c'est du vétéran. Hein. Aïe. Là. Oh, ils sont mixés. Allez. Aïe. Aïe. Ah, ils me font mal là. Ah non. Je suis où? Ah, je me suis perdu. Allez, on en a eu un. Aïe. Allez. Le petit contournement qui va bien et ça passe. Bon, on a passé. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les petits vétérans là, on en fait plein, c'est cool. Alors, ça découvre quoi? J'aime bien regarder. Oh, la map, elle est. Ah, un simple. La map est énorme, je m'attendais absolument pas à ça quand on a battu le méga boss. Franchement, je me disais, ouais, c'est bon. Ah,
Allez, dégage. Allez, Rob, reste là-bas, reste là-bas. Waouh, il était nul. Il était nul, il nous a même pas mis 1%. Oh, ouais, je propose qu'on... Oula, attention là, Megaman. Temps imparti. Gravité. Il y a beaucoup de choses, là, il y a beaucoup de choses. Ça sent le combat compliqué. Ouais. Je sens qu'on va... Oh, puis la map, elle est ouf. Ah mince. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Je remonte, moi. Aïe. Aïe, ça pique. Aïe. On n'en a pas encore éjecté un seul. C'est ce qui commence à m'inquiéter. J'y croyais pas du tout là. Ouais, c'est une belle victoire ça. J'ai même pas compris pourquoi, parce que les deux autres ils ont dû se tuer tout seul. Moi j'étais focus sur celui qui était à gauche. Et je pense que les deux autres ils se sont tués tout seul en fait. Oh, il y a un nouveau magasin là. Il a pas d'étoile lui. Bon, on va y aller comme ça. Il a l'air facile. Par contre, on sauve personne dans ce monde, je trouve. Ah, c'est vraiment les monstres. Wow. Oh! C'est un peu cancer, mais bon. Oula, attention. Oula, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a... Oh, il m'a chopé, là. Ok. C'est bon, il me reste des PV. Si on arrive à... C'est bon. Allez. Allez, c'est bon. Ça passe. Ouh. C'est de la belle victoire, ça. Ah, des affaires, alors c'est un nouveau magasin. Alors ce qui est, c'est pas mal hein, les magasins, parce que vous pouvez acheter des esprits que vous avez du mal à... Putain, c'est un 3 étoiles encore là. C'est chaud hein. On sent qu'on est rentré à un autre level là. Un combattant sur 3, c'est... Un combattant sur 2, qu'est-ce que je dis. C'est un 3 étoiles, donc c'est chaud. Hein. Non, de l'autre côté, pourquoi il s'est retourné? Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est bon ça. Il revient. Allez. Ah non. Allez, un smash. Allez, un smash là. Ah, mais il y en a une autre. Non. 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 Punaise.
Merci. Attention. C'est bon. Allez, ça passe. Non, elle revient. Non. Allez, un petit coup de smash. Ah oui, c'est bon. Oh, il m'a fait peur. Il est vilain aussi, lui. Hein. Il y a vraiment que des vilains, là. On est vraiment dans le monde des vilains. Hein. Bon, bah, on va découvrir encore un peu la map. Énorme. Bon, attends, mais... C'est oufissime. C'est oufissime, ce jeu. Ce jeu est complètement dingue. Ah! Là, on rentre dans un monde, par contre. Là aussi... j'ai pas trop envie de rentrer dans ce monde, vu qu'on est en fin de vidéo. À l'entrée. Ah ouais, ok. Ah d'accord. Donc c'était pas forcément une bonne idée, du coup. On se tente celui-là pour finir. Ah, sol du stage en feu, par contre. Hop, on va mettre la petite demoiselle, là. C'est parti. On va voir s'il est dur. C'est un vétéran encore. En Shinobi, il peut être relou. Ah, je le connais ce stage, il est horrible. Ah, je suis tombé, j'ai pas vu. Ouh, c'est bon. Mais non, mais... Mais je suis où? Mais non, mais les gars! Oh! Allez, venez me chercher. Bah, ils viennent en plus. Non, non, non! Oh, je le rate! Aïe, aïe, aïe! Ah, c'est bon ça? Ah non! 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 Je rate mon recover! J'ai raté mon recover! J'ai pas attrapé le bord! Incroyable! Ah là 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 là! Non, c'était mauvais, c'était mauvais! C'est vraiment dommage! C'était vraiment bien là! Ouais, ouais, d'accord, elle me choque. Non! Le recover! Le recover! Non! Mais le Pikachu, là, fallait que je le termine! J'aurais dû taper le Pikachu, là! Faut le finir, en fait. Fallait que je finisse ce Pikachu. Et après, j'en avais plus que deux à gérer. Et je tombe encore. On meurt en tombant. C'est ça qui est dommage, quoi. Non, non. Ouais, c'est bien ça. On en a eu un. Allez. Oui, deux. Allez, Pikachu, dégage. Yes. On le passe. Génial. Bon, bah, je propose qu'on termine cette vidéo là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous me lâchez un gros pouce bleu. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et nous, on se retrouve bientôt pour les nouvelles vidéos sur le mode aventure. Salut tout le monde.